Hey mes frères, mes amis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se dit? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vient avec cette nouvelle vidéo. Hey mes amis, qu'a des gens français à Montez compter sous sur moi. moi. Hey, t'es chargé. Je dis à nous venir avec une nouvelle vidéo. Ça côté nous pour traiter un sujet qui est très important pour vous-même en tant que musicien. Si vous-même c'est un musicien, mes amis, eh bien, sujet ça là vraiment vraiment bon pour vous-même qui voulait former ou en tant que musicien. Je tiens à nous parler de traiter un sujet qui est très important. Sujet ça c'est solfège. Ok, nous allons prendre première notion. Ok, pour nous capable commencer le solfège. Ok, il est très important pour un musicien capable de la musique. Eh bien, mes amis, à commencer. Les ou apprendre le solfège, mes amis, gain en pile opportunité qu'à venir dans la vie. Et gen an pile opportunité ou pas rater yo. Moi même l'aime te commencer, moi te un tine qui te fort parce que moi te gen déjà sore musical mes amis, mais ça relé théorie mes amis, moi un tijan perdu avec théorie ça yo. Nan dat ça gen opportunité me rater parce que moi pas kon li solfège. Un jour moi te sorti dans yon croisade, te gen an pile musicien, an pile bassiste, an pile guitariste, tout nèg yo te là, nous te là ensemble, nous t'ap jwenn. Eh bien, il y a un pasteur qui approche, il relève tout. Ok, tout musicien est là. Un gros pasteur, mon cher, il sorti de l'étranger, il est venu pour passer dans la croisade, bagaille très classique, bien propre. Ok, et passer à l'île, il y a une petite opportunité pour rejoindre un job. Ok, un contrat en tant que musicien, mes amis. Et il dit qu'on ça, il a besoin d'un pianiste. Eh bien, moi, je joue piano. Pas de problème. Eh bien, après ça, il dit qu'il a besoin d'un guitariste. Moi, je joue guitare. Pas de problème. M'attendais, il dit qu'il a besoin d'un bassiste. Et puis, moi, je dis, bon, et ça domine moi, ok? Et bien, je suis content. Et puis, moi, je dis, soit bassiste, soit pianiste, you know, you can prend le quand même. Et puis, monsieur Ali, il dit, ok, je prends un bassiste, ok, parce que moi, plus besoin d'un bassiste. Le temps de ça, je suis content. Après ça, monsieur Pasteur a dit comme ça, il a besoin d'un bassiste qui est fort. Moi, je le temps de ça, moi, je dis, aïe, 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 ça est moi. Parce que je connais moi fort, ok? Parmi les gens qui étaient là, moi, dis, mon cher, et ça, pas prater. Moi content, ok. Après ça, monsieur a dit comme ça, mais il besoin pour, musicien pour bassiste, là, il y a une notion, mais il pas gros, il pas que gros les tirs, mais pour te caper un petit les tirs de solfège. Parce que c'est avec solfège, et il t'a pral jouer dans un contrat, ça. Mais ça, il aime tant de ça. Monsieur, gardez mon opportunité, parce que il pas de un petit notion tout petit dans solfège, ok. Mais t'as un petit nègre, mon cher, nègre, t'as un petit notion tout petit, ok. Et puis, il joue un job là, il joue un contrat. Eh bien, c'est toute opportunité ça yo ou karaté yo mes amis, les ou pas gagne une notion solfège. C'est pour être ça ou mais en tant que musicien, batou OK, al nan un petit coup ou bien suive moi, c'est ça pour faire suive moi, suive moi. OK, je dis à la nous pral ba ou une notion solfège côté nous pral commencer avec la portée. Pas oublier ça c'est une série de vidéos que n'a fait là. Côté n'a fait première vidéo ça, après ça gagne un autre cabini, un autre cabini, un autre cabini, un autre cabini jusqu'à ce que nous ca li solfège, nous ca li la musique. Et bien mes amis, à commencer avec première partie ça. À commencer. Bon, mais j'en tape dit là mes amis, nous pour parler concernant ça les notions solfège et je dis à nous pour entrer avec la portée. Mes gens, ou en écran là, mes amis, nous pourrons parler de la portée. Bon, c'est normal, il y a un peu de monde qui n'a pas connu même ça la portée. Yo, ye. Ok, il y a un peu de monde ça c'est un port. La portée, il semble un port. mais ce n'est pas un port. Il y a un peu de monde qui a dit, bon, à qui ça va manger, bah, ça, est-ce que ça va manger, ou bien on rade. Bon, ce n'est pas pareil ça, ok? Ça c'est un la portée dans la musique, ok? Je dis à nous parler quelques notions qui sont vraiment intéressantes, qui sont vraiment importantes. Moi, si vous avez des quelques lignes, ok, qui ont un petit paquet de dessins sur yo, ok, dans le avec un pile symbole ça yo. Mais il y a des gens qui pensent que ça est écrit chinois, ok, ou bien écrit égyptien, parce que vous semblez savoir. Mais ça c'est la portée avec des notes, ok? Et je dis à ça nous pour identifier la portée. Mes amis, ça c'est la portée. Si vous demandez où qui ça la portée liée, vous avez une image ça. Eh bien mes amis, vous avez dit bon, là moi ouais.
Là, moi, j'ai 5 lignes, ok? Moi, j'ai première ligne, deuxième ligne, troisième, quatrième, cinquième, ok? 5 lignes, 1, 2, 3, 4, 5, et puis 5 interlignes, 1 et 4 interlignes, 1, 2, 3, 4, ok? Ça veut dire là, normalement, au cas où il y a une petite définition tout petit, on a dit, bon, la portée, c'est l'ensemble de 5 lignes et 4 interlignes. Eh bien, définition, on l'a lu, bon, il a. Eh bien, on a continué pour nous capables une définition qui est plus profonde, ok? Et de la portée. Eh bien, on continue. La portée musicale, nous avons une définition. La notation musicale s'écrit sur la portée. La portée est composée de 5 lignes horizontales parallèles et de 4 interlignes qui se comptent de bas en haut. Eh bien, mes amis, là, yo ba nou ke bagay ki tres important. Mwen vle di ou aussi après vidéo ça ou ap joun l'autre vidéo côté ou pral évaluer capacité ou, OK, ou pral évaluer capacité ou en tant que musicien et avec sujet ça qui c'est la porte. Ça veut dire c'est un petit examen mwen préparé pour mwen capable ouais, pour nous capable ouais, OK, si nous-mêmes nous comprendre ça mwen expliquer nous là, OK? Il est vraiment important pour capable évaluer connaissance ou est-ce que vous comprenez ou non. Eh bien, il y a nous quelques bagages là qui sont très importants. Il dit la notation musicale s'écrit sur la portée. Ça veut dire que là les wap écrit musique, OK? Wap écrit sur la portée. La portée qui s'allie 5 lignes avec 4 interlignes. Eh bien, c'est sous ça où pral écrit musique là. Nous avançons là. Il dit nous les compter de 5 lignes, OK, parallèles et de 4 interlignes. Qui se compte? Regardez, de bas en haut. Ça très important. Le wap contrôler ligne, OK, wap commencer en bas et puis wap monter. Mais déjà ou gen guitare basse, ou wap commencer dans côte pipiti, OK, c'est yo même qui première côte après ça wap monter. Eh bien, on continue mes amis. Mais yo ba nous un exemple. Là, nous avons premier code, ok? Premier code, deuxième code, ok? Deuxième ligne, m'a dit code. Eh bien, nous avons une ligne là, eh bien, c'est 5 lignes, ok? Interligne, qui ça y a interligne? Dans le temps de ligne, ok? Dans le temps de ligne, ou avez une interligne, ok? 1, 2, 3 et puis 4. Eh bien, là, nous avons la portée 5 lignes avec 4 interlignes. On continue? Ça c'est la portée. Oh, là ça c'est la portée mais ça gagne 4 lignes. Bamba explication de ça. Il fut un temps où les portées n'avaient que 4 lignes et où la notion musicale était très différente comparaison pour les chants grégoriens. Te gon temps mes amis côté c'est la portée comme ça avec 4 lignes, OK? 4 lignes seulement te gagne. Eh bien, dans le temps, ça c'est ancien temps, longtemps, ok? Mais qu'on y a la portée, pas nous, ça n'a pas utilisé, ça nous utilisé. C'est une portée récente, ok? Qui gagne 5 lignes et 4 interlignes. Ça, c'est vraiment important. Si on joue où est yon musique qui porte un solfège comme ça, eh bien, mes amis, vous mettez connaissance, eh bien, ancien, longtemps, avant papa ou fait, eh bien, bah ça te existe, ça c'est bah ancien longtemps. On continue. Il dit les notes de musique seront lues de gauche à droite comme pour un texte. Ça c'est un bagage qui est important. Et il y a des gens qui habitent dans un pays côté yo lit de droite à gauche. Ça veut dire yo prend dernière partie à ça pour nous, c'est dernière partie à c'est pour moi pour eux même c'est commencement. Ça veut dire yo commencer de droite pour venir dans gauche, OK? Mais depuis on lit musique là, on commencer de gauche pour aller dans la partie droite. On continue. Les notes seront accrochées sur la portée, soit sur une ligne, soit dans l'intérieur de la ligne, soit dans une interligne, OK? Là, il va nous explication, OK, nous une explication là. Ou ap mette not yo soit nan ligne nan ligne nan la sous ligne ou bien nan interligne ki se nan mitan de ligne, OK? C'est comme ça ou pral placer not yo. On continue. Plus les notes sont hautes,
dans la portée, plus elles seront de son aiguille. Et inversement, plus elles seront bases dans la portée, plus elles seront de son grade. Ça veut dire, et on a la portée là, ok, le on commence à monter, les bas où ils sont aigus. Le on commence à descendre, les bas où ils sont graves, ok. Le on monte aigu, le on descend, les bas où ils sont graves. En continuant, les lignes supplémentaires. Mais la portée est une 5 lignes. Après ça, vous avez des lignes okay, qui paraît comme ça. Ok. Mais les lignes, ça, yo seulement paraît les ou besoin. Ça veut dire c'est peut-être ça, yon, les lignes supplémentaires. Les barres qui supplémentaires, c'est un barre qui paraît seulement si vous avez besoin de lui-même. Parce que si vous n'avez pas besoin, il ne paraît pas. Paraît, ok. Eh bien, c'est comme ça. Et nous avons les supplémentaires. Ça, yo paraît seulement les ou avez besoin de yomen. La portée peut s'accompagner de lignes et d'interlignes supplémentaires. Étant donné que la portée ne comporte que 5 lignes, alors parfois les lignes et les interlignes ne suffisent plus. On peut donc agrandir la portée vers le haut ou vers le bas comme ceci. Eh bien, nous avons un exemple. Nous avons agrandi soit en bas ou bien soit en l'air. Ok? Mais si vous avez besoin, vous pouvez faire ça. On continue. Dans la portée, on trouve. Mais ça n'a pas besoin dans la portée. Ok? C'est là que nous allons placer clé ça. Ok? Ça, c'est clé sol. Remplisseur. L'autre clé, nous allons louer ça dans une prochaine vidéo. Quand je vais expliquer ça. Et là, nous jouons et altération. Yo. Ok? Ça, c'est jazz. Yo. Là, nous jouons chiffre de mesure cap et du le temps, ok? Nous avons nuance, nous avons figure de notes, ok? Nous avons figure, yo. Et puis nous avons silence, surtout figure de silence. Tout bagaille ça, yo, nous pral jouer yo, sur la portée. Parce que c'est dans la portée, ok? Sous la portée, ou pral écrit la musique, ok? Et bien, mes amis, li vraiment important pour capable kembe, ok? Pour capable étudier, pour capable lire et passer ces notions ça yo concernant la portée, parce que puis devant nous pral entrer dans un autre sujet, ok, n'a pas continué avec et un autre sujet pour capable apprendre le solfège. Nous pral faire ça pas à pas pour capable bien apprendre, pour capable bien maîtriser ça. Nous pral enseigner là et comme ça ou pral yon musicien qui complet, seulement musicien pratique. Mais ou a gen ti théorie en tête tout pour capable comprendre bagaille plus facile et plus rapide. Pas oublier en description vidéo ça ou pral jwenn une autre vidéo côté ou pral évaluer ça ou sot apprend là, OK? Ça veut dire ou pral repasser ça nous ba ou là et puis après ça ou pral essayer et prendre texte là, prendre examen, OK? C'est pas baccalauréat mais c'est un petit examen, OK? Ou ap ka évaluer capacité ou nan connaissance ça nan situé ça que nous sot ba ou. Pas oublier mes amis nan commenter yo mes amis écrit qui quantité point ou fait et comme ça pour nous capable connait et qui ja ça teye pour nan examen. Et bien mes amis ça c'est tout pour aujourd'hui. A pas oublier bay petit vidéo ça like mes amis petit pouce en l'air bien aller et puis nan bon nan prochaine vidéo. Que bon Dieu bénisse.